www.casarima.fr. Bon, Kondima, c'est la foi, hein? La foi, c'est Kondima. La foi est-il ferme, assurant des choses qu'on espère, hein? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Salut, très chers fidèles de la www.casarima.fr. Je crois que c'est encore un grand plaisir pour moi de vous revoir parce qu'on a mis une pause. Mais le Seigneur nous a fait grâce et nous nous sommes revus aujourd'hui. Et c'est comme ça, nous sommes là pour vous servir. C'est votre magazine qui dit les Quinois, qui ne cesse de vous fournir de vérités, des ignorances autour des préoccupations, autour de faits qui préoccupent plus les enfants de Dieu. Et alors, aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler sur la foi. Et je crois que vous ne serez pas dessus. Partons de toutes les interventions que nous aurons à avoir. Déjà, je vous propose d'être davantage connectés et que le Seigneur vous bénisse. Le micro baladeur en marche avec Yannick Wenge. Mbote mami. Papa te vengi onani. Monsieur Papi. Papi Mutombo. Monsieur Papi Mutombo. Nalingi oye bisabiso. Tout ça n'a pas sauté ba kondima ngweza nini. Bon, kondima eza la foi, hein? La foi eza kondima. Bon, ton dimelaka Saint-Esprit, pour à partir de Saint-Esprit, et ande moko na kati na bonzambi. Bon, ton lingaka kon dimela Saint-Esprit parce que bisonyon soto zaba en nzambi, pour à part nzambi, et loko moussou se zati, nase na mokili, soki bisonyon soto zako ko vivre na kon dima, yangwaneza Saint-Esprit. Bon, oyo azana kati na la fouati. Ne azangi kondima. O azana kata Saint-Esprit ne yewana azo vivre na kati na kondima. Bon, nzambe muta krea kibiso. Nzambe mutu asala kibiso na sena mokilio. Biso nyon soto zaba descenda na ye. Pourquoi pas toko kondime nzambe te biso nyon soto zaba na ye. Ya wana tozana kati la foi ya biso nyon so. Merci maman nzamba pambola yo. La foi, comme des Toyebi, la foi, la Bible, c'est une ferme assurance, une chose qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Donc, ils ont raté. La foi est un zambé au biso tozo monate. Mais tozo ndimela ye, azamo konzimo bix na biso. Yangwana vraiment tozo na confiance, pe to ndimeli foi eza ya solo. Bon, nzamba ye bi bango, mais baza ba prédestiné te. On se comprend. Donc eza na batu o nzambe ayebi bango apesi pe foi wana na kati. Mais eza pe na ba oyo baza na bango na mokili. Mais bazar na foite bazar ya nzambe te donc azana ye mutamokili soit ba misusu bazali mais ezana tangu na bango o bango bakoyeba nzambe wana pe bakokoma na kolanda nzela ya nzambe. Merci, je vous remercie. La foi. Bon, la foi, faut sauter en haut et abattu. Bah, tout le monde a la foi, mais la part, c'est à partir de la parole de Dieu que nous comprenons la foi. Ok, bon, ça va. Tu comprends? La foi, c'est dans notre, ça se trouve dans notre esprit. C'est une fonction qui se trouve dans notre esprit. Mais la foi, ce dit la parole de Dieu, dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, verset 17. De la foi vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui germe en nous la foi. Tu comprends? C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Donc on croit parce qu'on a entendu. S'il n'y avait pas la parole, on ne devait pas croire. On a cru à quelque chose qu'on a entendu. On a entendu quoi? La parole de Dieu. Ah, tu parles en qui devons-nous faire foi? Nous devons faire foi à la parole. La parole, comme dit dans Jean 1, la parole, au commencement avait la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole est Dieu elle-même. Elle est Dieu. Donc nous faisons la foi à cette parole parce que cette parole est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné sa parole. Personne n'a vu Dieu. Nous l'avons vu que par sa parole. Nous comprenons Dieu que par sa parole. Donc nous faisons foi à la parole que nous avions entendue venant de Dieu. La foi produit l'espérance. La foi produit l'espérance. Tu comprends? Comme dit là, toujours dans la Bible, dans Hébreu, on dit quoi? On dit dans Hébreu 11, on dit la foi vient de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, donc quand tu as la foi, ça produit la preuve. La foi amène l'existence à des choses qui n'existent pas. Donc la foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi produit plusieurs choses. De la foi produit à nous la vie, la foi produit des miracles. À partir de la foi, donc tu peux vivre plusieurs choses. Donc à nous, la foi produit plusieurs choses. La foi produit des miracles, des guérisons, la foi produit des choses qu'on ne voit pas. La foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas.